Bienvenue dans cette vidéo où vous ne verrez pas ma tête et où le but c'est que je vous parle un petit peu des dessins que j'ai produits pendant cette Inktober de 2019. Quand je fais une vidéo où je donne des conseils, je mets toujours beaucoup d'images de moi en train de dessiner, mais en fait j'ai pas vraiment l'espace et le contexte pour montrer réellement les dessins que je fais, ce qui est peut-être un petit peu frustrant pour vous, je sais pas. En tout cas, moi de mon côté, j'aime énormément regarder des vidéos de type sketchbook tour où quelqu'un va montrer l'ensemble de son carnet et où on a le temps de regarder un petit peu les dessins et de voir une vue d'ensemble. C'est toujours un petit peu l'occasion de partager des choses autour du processus ou autour de la manière dont naissent les idées, et c'est quelque chose qui me fascine. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 31 dessins que j'ai produits le mois dernier, mais avant toute chose, c'est le moment du point matériel. Le tout premier thème, c'était escargot, et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est en anglais l'expression snail mail, des lettres qu'on s'envoie, et ça s'appelle snail mail parce que c'est un moyen assez lent d'envoyer du courrier. Et donc je me suis dit que j'allais faire ça de manière assez littérale et de dessiner des escargots qui s'entraident pour écrire une lettre à leur correspondant, tout simplement. Le deuxième thème, c'était confiture, et je suis le genre de personne qui n'en consomme pas beaucoup et qui finit toujours par avoir énormément de moisissure à l'intérieur de ses pots. Donc forcément, j'ai pensé à de la moisissure, et là, je me suis dit que la moisissure, c'était un petit peu l'équivalent de blessure ou de zombification pour des pots de confiture. Donc je me suis lancée dans cette espèce de film de zombies version confiture. Le troisième, et qui est en fait le premier que j'ai réalisé parce que j'ai commencé Inktober le 3 octobre, et c'est pour ça que les trois premiers sont ultra simples parce que je les ai faits dans la foulée et que je voulais rattraper tout mon retard avant d'attaquer le 4 octobre clean. Le thème c'était rocher, et je trouvais ça parfait parce que j'ai énormément de mal à dessiner des rochers. Je trouve que, notamment quand les rochers ont des surfaces planes géométriques, je trouve que c'est un petit peu compliqué de donner cet effet de profondeur avec simplement des ombres et des lumières. Donc c'est ce que j'ai essayé de travailler. Et comme mon plus grand plaisir quand je vois des cailloux en forêt, c'est de shooter dedans, et je me suis dit que j'allais faire un rocher qui fait pareil. Je ne sais pas comment fonctionne cette société, mais en tout cas, ça ne doit pas être fun tous les jours pour les petits cailloux. Jour numéro 4, où j'étais à l'heure, et qui a été l'un des 3 jours où j'étais à l'heure pendant le challenge, car j'ai cumulé du retard du début à la fin. Et honnêtement, c'est là que j'ai envie de dire que le retard, c'est pas grave, tant que ça nous fait pas abandonner en se disant « bon ben j'ai pas réussi un mois parfait, donc on verra le mois suivant si j'arrive à tenir tout mon mois », qui est un piège dans lequel je tombe honnêtement très régulièrement quand je veux mettre en place des nouvelles habitudes. Je me dis que si je loupe un jour, et du coup j'ai entièrement loupé, alors qu'on peut toujours reprendre ensuite. Le tout, c'est de continuer. Bref, ce qui m'est venu, c'est de dessiner cette espèce de grand tatou dans le dos. J'aime bien cet effet de transparence en fait, du gris qui est sous le bleu avec les taches de rousseur et les plis de peau. C'est vraiment cet effet de superposition de couches qui me motivait initialement. Le numéro 5, c'est pomme. Qui dit pomme dit ver de terre, et comme j'étais sur une lancée de films d'horreur, j'ai pensé à Alien et à recréer la scène de la cuisine où l'alien sort du bide d'un des camarades. Et je suis vraiment très satisfaite de celui-là. Il est honnêtement très simple, mais je trouve que j'ai réussi quelque chose dans l'ancrage avec une diversité de lignes et puis des petits pointillés sur le ver de terre qui font que l'image est super lisible tout en restant assez texturée, et j'ai très envie de continuer sur ce genre de lancer quand j'ancre quelque chose. Le numéro 6, c'était clairement le jour du fun. Le thème, c'était feuilles, donc en anglais leaves, et je sais pas, ça m'inspirait pas. Et puis c'est là que je me suis dit que j'allais essayer de penser en termes de synonymes et d'homonymes en anglais. Et leaves, c'est la version conjuguée du verbe leave, donc partir. Et comme dans la liste principale, le thème du jour c'était husky, et en combinant les deux, ça fait un husky qui part. Et comme j'ai un cerveau un petit peu triste, j'ai pensé à la mort. Voilà.
Désolée. Numéro 7, le thème c'était biche. Les biches, ça me fait directement penser à Nara, une ville au Japon où il y a beaucoup de temples à visiter et où il y a énormément de biches et de daims qui se baladent en liberté dans la ville et qui te poursuivent un petit peu pour que tu leur donnes un goûter. Donc j'en ai profité pour dessiner une petite fontaine d'eau qu'il y a systématiquement à l'entrée des temples pour se purifier. Et puis comme cette petite biche, je la trouvais bien mignonne et qu'elle me plaisait bien, bah, j'en ai profité pour la retravailler pour pouvoir la graver en linogravure. Et je vous ferai peut-être une vidéo complète à propos de linogravure parce que c'est ce qui m'occupe un petit peu ce mois-ci aussi. Quand je pense à un motif, je pense forcément à du papier peint. Donc wallpaper en anglais, ça me fait penser à wallflower. Et je me suis dit que j'avais envie littéralement de dessiner une wallflower, donc une petite meuf caméléon qui disparaît dans le papier peint. On arrive à un de mes préférés qui est le jour numéro 10. J'en ai profité pour tester une technique qui me fascine en aquarelle et qu'il faudrait vraiment que je prenne le temps d'expérimenter plus en profondeur, qui est la technique de la peinture en négatif où en gros on part du clair vers le foncé. Donc je suis partie d'un ciel entièrement gris et j'ai rajouté des couches de gris de plus en plus foncées pour faire la forme des nuages, pour qu'en fait le foncé vienne faire ressortir le clair qui est en dessous et dessine la forme des nuages. Donc là je suis retournée dans le Cita Horror Universe parce que quand j'ai posté mon dessin avec les confitures, il y a Alexandra de la chaîne Alex Bouquine en Prada qui m'a demandé où était le pain dans cet affrontement de confitures et je lui ai répondu qu'il était en train de combattre le pain de mie zombie. Et quoi de mieux que des bouteilles de soda pour asperger le pain de mie, faire en sorte qu'il soit bien gonflé et qu'il n'arrive plus à se déplacer. Et comme je voulais que ça fonctionne en parallèle des confitures, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une composition qui est inverse pour que d'un côté il y ait une pyramide qui partent du bas vers le haut et puis que là ce soit du haut vers le bas avec le jet qui se lit de gauche à droite parce que le sens européen c'est gauche à droite. Jour numéro 11, la thématique c'était étoile et tu commences à connaître mon esprit de contradiction. Plutôt que de faire un truc ultra joyeux, je me suis dit que j'allais faire un truc bien bien triste et j'ai fait le rapprochement entre des étoiles et le potentiel qu'on a et ce qu'on montre. Qui m'a du coup fait penser au personnage du projet de BD sur lequel je travaille et dont j'avais parlé dans une vidéo l'année dernière, si ça t'intéresse, avec quelqu'un qui montre son talent au grand jour et qui est admiré des foules, et mon héroïne au premier plan, qui a beaucoup de potentiel et des petites étoiles, mais qu'elle laisse pas se développer parce qu'elle le garde caché. Jour numéro 12, oh j'étais si heureuse d'arriver à ce jour-là parce que déjà ça voulait dire un tiers, mais surtout parce que quand j'avais parcouru rapidement la liste des thématiques, j'avais vu musée et tout de suite j'ai pensé au concept du musée des choses qu'on a perdues. Initialement je pensais dessiner des gens qui se baladent dans des musées avec des tas de clés qui ont été perdues, des tas de chaussettes, etc. Et j'ai eu l'illumination la veille et je me suis dit que j'avais envie en fait de dessiner un plan. Je m'étais dit assez naïvement que faire quelque chose où il y avait juste de l'écriture, et ben, ce serait ultra rapide à faire et j'avais si peu raison. Et ce dont je suis le plus fière, c'est ce petit You Are Here avec la salle du temps perdu sur les réseaux sociaux. Le numéro 13, le thème c'était bateau et c'est là qu'on voit que j'ai commencé à prendre la confiance parce que je me suis fait une scène complète avec, mesdames et messieurs, le premier décor de cet Inktober. Et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Calvin et Hobbes et à leur manie de créer des machines avec juste des cartons et l'imagination. Et c'est ça qui m'est venu. Jour numéro 14, shelter, refuge en français. C'était l'occasion de réutiliser les 1500 photos de Moon Moon que je prends chaque mois. Ça y est, je pense que j'ai maîtrisé la manière dont j'aime dessiner Moon Moon, mon chat. Et si tu regardes attentivement, tu te rendras compte que j'ai fait une petite boulette sur ce petit chaton car j'ai ancré un bout du tapis en pensant que c'était sa deuxième patoune. Donc c'est un chaton qui a 5 pattes. Oups! Comment te dire à quel point c'était difficile de choisir une idée, car il y a toujours des livres dans mes illustrations. Et j'en
j'en ai profité pour ajouter un petit chien parce que après 15 jours d'Inktober et de dessins d'animaux, ça y est, j'avais pris la confiance et j'avais envie de rajouter des petits animaux partout. Et comme il me fallait une idée de tableau, tu remarqueras peut-être que derrière, c'est la nuit étoilée de Van Gogh. Initialement, j'étais partie sur un truc beaucoup plus compliqué, mais en fait, à ce stade, j'étais à 5 ou 6 jours de retard. Enfin, il fallait vraiment que je rattrape beaucoup de dessins. J'étais toujours fixée sur mes idées de musée et j'ai voulu faire la plus petite boule à neige du monde avec un pic enneigé à l'intérieur, avec des gens qui regardaient cette boule à neige au travers d'une loupe. Et puis en fait, je me suis dit bon, faisons quelque chose de simple et de rapide plutôt, et faisons juste une boule à neige. Et puis finalement, en fait, c'est là que je me rends compte que juste de la simplicité, mais en rajoutant du bleu avec et en faisant des petits dégradés, bah, ça rend quelque chose qui, ma foi, est tout à fait honnête. Alors le problème du jour 17, c'est que le thème c'était oiseau. Et en fait, le thème du jour 18 m'avait donné déjà l'idée de dessiner un oiseau. Donc en fait, ma thématique pouvait fonctionner pour les deux. Et finalement, je me suis dit, ok, non, tant pis, faisons autre chose. Je vais prendre un oiseau que j'ai envie de dessiner. Le premier truc qui m'est venu, c'est une autruche. Parce que j'ai découvert récemment que les autruches étaient plus attirées par les humains que par les autres autruches, et que c'est pour ça que dans les zoos, il y a des autruches qui font des fixettes sur certains humains et qui jouent avec elles, c'est parce qu'elles ont des crushs. Et puis là, mon cerveau est parti en vrille, je me suis dit, je veux une autruche qui soit déguisée en humain, donc je vais lui rajouter des lunettes à moustache et puis une petite cravate, et bah avec elle, je vais dessiner un humain qui soit déguisé en oiseau. Et c'est ainsi qu'est né ce duo extrêmement glorieux que j'espère réexploiter plus tard parce que je les aime déjà. Et du coup, le fameux oiseau que j'avais déjà en tête, c'est celui-ci pour le thème 18 qui était butin. Quand on me parle de butin, je pense aux pies qui volent des trucs brillants. Je me suis dit que j'allais en faire une pie robot parce que voilà, quand je veux réfléchir plus loin, je transforme tout en robot. Sachez que vous avez échappé à la biche mécanique parce que je voulais pas initialement dessiner une biche toute simple. Qu'est-ce que les pies mécaniques volent en fait? Elles volent des trucs brillants, mais des trucs brillants de technologie. Et donc je suis partie sur ce petit tas de trucs qui m'a permis de me faire plaisir et de caser quelques petites références, genre ici il y a un petit bender si tu l'as pas vu. Comme j'ai recommencé à regarder Doctor Who, y a le Sonic Screwdriver de 10 et celui de 11 qui est derrière. Voilà, voilà, voilà. Et c'est là que vient une autre de mes méthodes de trouvage d'idées, c'est d'associer plusieurs trucs ensemble. Et trèfle, ça me fait penser à la fois au jeu de cartes et au lapin. Et donc c'était parti, je me suis lancée dans ce petit défi de faire une fausse carte avec des lapinous. Ultra satisfaisant à faire, à la fois pour la couleur et pour les gros aplats de noir, au point où je me suis lancée le défi de faire les 4 types de cartes pendant Linktober. Et spoiler alerte, j'ai réussi. Le jour 21, le thème c'était feu. Et en fait, c'est une idée que j'ai trimballée pendant, je pense, 15 jours. Et du coup, j'étais ultra heureuse parce que ce jour-là me semblait inatteignable au début du challenge. Et je pouvais enfin dessiner mon idée de départ, qui était un démon des flammes qui se retrouve invoqué par des petits gamins qui sont en train de brûler leur devoir de maths à la fin de l'école. Et le jour 21, c'était le jour où j'ai enfin rattrapé mon retard de 4 ou 5 jours. Vraiment, si t'as du retard pendant Inktober, c'est pas grave, tu peux quand même le finir. Et en fait, à la base, j'avais envie de dessiner un décor autour des personnages, et là j'ai quand même eu la présence d'esprit de me dire ok, je suis en retard, le but c'est de rattraper. Et honnêtement, avec ce noir et blanc et ces couleurs qui ressortent, je pense que c'est pas plus mal parce que ça fait que les formes sont beaucoup plus lisibles que s'il y avait eu tout un décor autour. Mais écoute, je me suis vengée sur le jour 22, hein, parce que le thème c'était herbe. J'ai d'ailleurs totalement séché, sans jeu de mots, sur la thématique. Je suis allée faire une bonne vieille recherche Google Images pour voir ce que je pouvais trouver et ce que ça pouvait m'inspirer. Et je suis tombée sur justement des feuilles séchées. Ça m'a donné l'idée de dessiner cette petite sorcière qui est en train de faire sécher ses herbes sur la colline du village, avec une personne sans pouvoir magique qui est en train de faire sécher son linge et qui comprend pas trop ce qui se passe à côté. Je suis ultra contente de cette image parce que elle m'est venue de manière assez intuitive. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais enfin intégré comment est-ce qu'on faisait la forme d'un vêtement qui prend le vent, là où habituellement je galère systématiquement pour que ce soit vachement exagéré, mais que en termes de plis de tissu ça ait quand même un peu de sens. Donc
yes, j'ai level up. Mon seul regret, c'est que en termes de contraste, j'aurais bien aimé avoir fait le toit derrière la sorcière beaucoup plus clair pour que le noir de sa robe ressorte mieux et notamment en fait que le chat ressorte. Mais ça, c'est pas grave, c'est quelque chose que j'améliorerai sur la version numérique parce que j'ai très envie de refaire cette scène en couleur. Bim! Jour 23, une deuxième carte à jouer apparaît parce que j'étais pas du tout inspirée par la thématique qui ressortait de ce jour-là. J'ai vachement hésité à ne pas suivre la thématique et je me suis dit qu'après 22 jours, j'avais bien le droit de contourner un petit peu les règles. Et de toute façon, le 23, c'est mon anniversaire, donc je fais ce que je veux. Quoi de mieux que des petites loutres qui s'aiment? Parce que si vous n'êtes pas au courant, quand elles font la sieste, et ben elles se donnent la main pour être sûres que quand elles dorment, elles dérivent pas et qu'elles perdent pas leur partenaire. Pour trouver une idée, ce que je me suis dit, c'est que il fallait que j'imagine pour qui était le trophée. Et c'est là que j'ai pensé aux Good Boys. Le trophée, c'était le trophée du meilleur pâtissier, rempli de jouets et de friandises, avec des têtes de petits chiens derrière qui rêvent de gagner ce trophée du Goodest Boy. Ensuite vient une autre carte à jouer dont j'ai plus l'original, qui est le Roi de Pique. Comme j'avais fait un lapin avec le profil tourné vers la gauche, ben là je me suis dit que j'allais faire un profil tourné vers la droite. Et c'est à peu près aussi simple que ça. Comme ce renard, il me plaît plutôt bien, bah j'en profite pour le convertir aussi en design de linogravure que je suis en train de graver. D'autant plus que c'est le prétexte idéal pour tester quelque chose que j'avais envie de faire, qui est de faire plusieurs tampons pour faire des couches de couleurs différentes et donc faire les parties rouges en rouge et le reste en fait en gris. Viennent ensuite deux thèmes qui fonctionnent ensemble, dark et light. Et en fait, initialement, je m'étais dit que j'avais envie de faire une même scène où d'un côté, il y aurait une scène dans le noir et qu'à côté la scène dans la lumière révèle quelque chose sur la première scène. J'avais envie que la scène dans le noir, eh ben, elle soit pas dark entre guillemets du tout et que ce soit quelque chose de joyeux et que la scène dans la lumière elle soit un peu plus horrifique. Et puis en fait au moment de le réaliser il y avait pas grand chose qui me venait, donc je garde l'idée pour plus tard. Mais donc je suis quand même restée sur cette idée que je voulais une opposition entre dark et light et que dark se passe dans la lumière et que light se passe dans la nuit. Le jour 29, c'était la dernière carte. Et pour la dernière carte, j'ai décidé de faire des petits Bref, des petits pans. Au bout du quatrième dessin qui reprend exactement la même structure, en fait, ça devient une routine. Donc c'était ultra reposant à faire, même s'il y a plein de petits détails. Le jour 30, le thème c'était sleep. Je sais pas, j'ai pensé à Harry Potter et au fait que dans certaines familles, il n'y avait qu'un seul exemplaire et que ça devait être carrément la baston pour pouvoir le lire à sa sortie. C'est un peu là-dessus que je suis partie avec un petit frère qui essaye de voler le bouquin de sa sœur qui est en train de dormir. Et ce qui me fait énormément rire, c'est que du coup, je voulais dessiner un petit gamin malicieux en arrière-plan. Et assez naturellement, ce qui m'est venu, c'est un gars qui ressemble quand même vachement à Randy dans la cour de récré. Donc c'est là que tu te rends compte qu'il y a quand même des images qui sont complètement imprimées dans notre cerveau. Et je sais pas, il y a un truc qui me plaît énormément dans cette image. Elle est plutôt simple en soi, mais je trouve qu'elle est assez représentative de l'aisance que j'ai prise au fur et à mesure du mois, parce que les lignes sont beaucoup moins hésitantes que sur les premiers, et ça fait de ce dessin, honnêtement, un de mes préférés.
Et on arrive au tout dernier, le numéro 31, dont le thème était Berry, donc baie. Et comme c'était Halloween, et ben je suis partie sur trois petites filles qui sont déguisées en différentes baies, donc une myrtille, une framboise et une fraise. Et ben voilà, je pense que ça reflète ma satisfaction d'être arrivée jusqu'au bout le 31 octobre à 18h et d'avoir fini dans les temps malgré mes 6 jours de retard. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'en profite pour te dire que si mes dessins t'ont plu, je vais mettre en vente tous mes originaux le 17 novembre à 10h. La boutique en ligne, elle est pas encore ouverte, donc j'ai pas de lien à te fournir, mais tu peux aller voir sur mes réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, où je posterai le lien à 10h pétante. Prout, c'est ma blague préférée. Les prix, pour info, seront entre 25 et 45 euros suivant la complexité, hors frais de port. Et il y aura d'ailleurs aussi des reproductions de mes linogravures de la biche et du renard, si ça t'intéresse. J'en profite aussi avant de partir pour te donner d'autres informations que tu as déjà eues dans l'autre vidéo, donc si tu veux, tu peux les passer. J'ai ouvert une page sur la plateforme Ko-fi qui permet de laisser des pourboires. Donc si jamais mon Inktober t'a plu ou que tu apprécies mes vidéos, je serais super honorée si tu as l'envie et les moyens de me laisser un petit pourboire. Et enfin, si ça t'intéresserait d'avoir un dessin de moi, sache que je vais bientôt annoncer que je prends des commandes personnalisées, notamment pour offrir des cadeaux de Noël. Je vais poster des informations et la grille de tarifs indicatifs très bientôt sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour moi, je te dis à la prochaine fois. Oh non, j'ai pas fait dans le bon pigment. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée récupérer dans le mauvais truc de pigment, donc c'est beaucoup trop foncé.